2018 fut le début d'une nouvelle aventure théâtrale, Odyssée 3.0, qui a réuni 60 jeunes des ateliers ados des MJC d'Albi, Gaillac, Rabastens et Groyer, ainsi que le Théâtre École de la Scène Nationale et un groupe de jeunes des missions locales des MJC participantes. Mais Odyssée 3.0, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée en fait de faire un festival tous ensemble. Et puis après de se montrer, de montrer les spectacles qu'on avait fait et qu'on avait travaillé. Et c'est chouette parce qu'on a fait plusieurs expériences. On s'est vu un premier week-end avec des ateliers que chacun proposait, etc. Un deuxième week-end où on a vu un spectacle. On a fait une masterclass après avec le comédien, c'était vraiment trop bien. Et là, c'est le troisième et dernier week-end du coup où on voit tous les spectacles de chacun. Ce troisième week-end a ainsi réuni pendant 2 jours tous les jeunes d'Odyssée à la scène nationale d'Albi. Ils avaient en charge l'organisation de ces journées et de leurs soirées de représentation. Ils se sont ainsi occupés, au rythme des retrouvailles et dans le plaisir de l'aventure partagée, des courses, du flyage en ville, de la signalétique, des équipes d'accueil du public, de la billetterie et de la buvette, tout en répétant pour la plupart pour la première fois dans la salle haute du Grand Théâtre. Parallèlement à ce bouillonnement, le groupe Flash relevait le défi de la création d'une forme courte en un week-end pour que tous les groupes puissent présenter leur spectacle le soir venu. Et on a aussi appris donc énormément de choses sur le théâtre, on a travaillé sur beaucoup de choses différentes, l'improvisation, le clown aussi, la mise en scène et tout ça. Et puis c'était accueillant, il y avait certaines bonnes ambiances. Et oui, ce qui est bien aussi vraiment quand on rencontre les gens, c'est qu'on sait qu'on a des points communs, le point commun c'est le théâtre. Et du coup, c'est vraiment bien, quoi. Et puis aussi, de se montrer spectacle, c'est bien. Et puis jouer à la scène nationale, c'est chouette. Ouais, aussi. Ça serait bien que ça se refasse l'année prochaine. Je sais pas si ça serait possible, mais... Oui. Ouais, c'est vrai que ce serait bien, parce que rien que nous, c'était une bonne expérience. Mais comme ça, qu'il y ait plein les gens de l'année prochaine ou quoi, qu'ils puissent vivre ça aussi. Enfin, je le souhaite à tout le monde de vivre ça, en tout cas.